Et du coup, on est bien là déjà. Je pense que ce qui serait mieux, c'est d'aller en bas pour le faire voler. Antoine, notre ingénieur caméra Canon. Dis bonjour à la caméra. Ouais, je suis Canon. T'es Canon. Oh merde. Ah, non, mais... Hop. Allez, on est parti. Toute la forêt pour aller au Calanque. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle expédition drone en compagnie des poteaux du ski encore, Antoine et Rémi. Là on est au Calanque, près de, j'ai déjà oublié le nom de la ville, Niolon. Et on va essayer de le faire voler, c'est le seul endroit des Calanques maintenant où on a le droit de faire voler son drone. On va voir ce que ça donne hein, et puis c'est parti. Bon, je reconnais que c'est plutôt pas mal. Pour rappel, on est en février, voilà, c'est pour ça qu'on aime bien la Provence. Parce que même en février, on est en t-shirt, que demander de plus? Petit mot Laurent. Eh ben, franchement, les conditions sont bonnes. On n'a pas de nuages, il y a un chouïa de vent, donc c'est rien du tout. Mec, il a un super paysage devant lui, il est sur son téléphone. Et je réponds aux abonnés. Allez, j'ai eu un first, un deuxième first. Vas-y, faut que je mette l'application à jour. T'es obligé? Ouais. Oh, il est bien lent, hein. Oh là, mec, installation. Attends, il charge. C'est comme un ordinateur, tu vois, ça met du temps. Est-ce un homme ? Nous retrouvons contre toute attente une sculpture bâtie par des Aztèques. Impressionnant. Mais regardez sur quoi on monte. Sans déconner. Mon corps n'est pas prêt pour ce type d'effort. Voilà. Alors on a trouvé un truc en termes de sécurité, c'est top. Des petites barrières qu'on a assemblées comme ça pour pouvoir grimper au mur. Voilà, parce qu'on fait. Vas-y, bah passe l'appareil et tout. Donc on a rencontré peut-être un futur fan. Un futur fan. Hein ? Oula, là on a un super plan là. Ah oui ? Bah du coup, c'est stylé quand même, on s'attendait pas à voir ça. Dire là, t'as un putain de. Apparemment on peut rentrer là, dedans. Vas-y, on fait une urbex. En fait, tes expéditions elles finissent jamais comme il faut. Mec, c'est trop énorme. Mais c'est quoi ce bordel là? Ah, d'accord. On n'y voit rien. Oh, putain, c'est stylé ça. Il y a comme ça, tu peux voir un peu la distance du truc. Ça commence. Là, il y a le mur. Bonjour à tous, on se retrouve dans un lieu hanté. Apparemment, il y a des esprits. Vas-y, monte ta tête là, l'eau. Coucou.
Quasiment pas là, là. Il faudrait qu'on prenne une photo style, genre avec l'ISO. C'est vraiment pas dégueulasse. Hein. Là, on est sur le toit du bunker. Pas dégueu, c'est pas dégueu. Préparation du drone, encore une fois. Sur le retour, est-ce que bon, à un moment donné, quand il n'y a plus trop de soleil, qu'il commence à faire froid, parce que bon, on est en février, hein, faut pas l'oublier. Bon Laurent, tes impressions sur la journée? Bah écoute, c'était vraiment pas dégueulasse, on a eu des putains de plans, genre le château, je m'attendais pas du tout, enfin le fort ou je sais pas ce que c'était, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit comme ça. J'espère que vous avez kiffé, et si vous avez des suggestions d'endroits dans la région, allez-y, hein, faites plaisir. Hein. Donc on se retrouve la semaine prochaine, ciao! Ah ben voilà.